Bon matin à tous. Ben, bon matin. Dépend, là, il est quelle heure chez vous, là, à ce moment-ci, là? Ça va très mal. Bonsai Wise. On a des problèmes, là, horrifiants. J'ai un moyen passé avec les bonsai. J'en ai déjà parlé sur la chaîne principale. J'ai complètement tué un bonsai Schefflera Umbrella il y a à peu près 2 ans de ça. Je l'ai trop arrosé, je l'ai défoncé, je l'ai tué. J'étais super triste d'avoir tué mon bonsai. Parce que pour moi, le bonsaï, ça représente la vie, ça représente la longévité. C'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Tu sais, t'as un bonsaï quand t'as 15 ans, 20 ans. T'es supposé être capable de le garder tout le restant de ta vie puis de léguer ça à tes enfants, genre. Alors, je me suis comme découragé des bonsaï et il y a quelques mois de ça, à ma fête, donc le 10 novembre 2022, ma mère m'a offert un bonsaï jade. C'était vraiment pour signifier tout ça, là, la nouveauté. On regarde en avant, tu sais, c'est un arbre qui va me suivre pour les prochaines années de ma vie, je vais faire super attention à cet arbre-là. Et là, en date d'aujourd'hui, 26 janvier 2023, il va pas bien l'arbre. Je fais vraiment tout ce qui est en mon possible pour essayer de bien m'en occuper au niveau de la lumière, au niveau de l'arrosage, au niveau du terreau. Je coupe les petites branches. Moi, j'essaie vraiment de faire mon maximum pour l'aider du mieux que je peux et l'arbre ne va pas bien. Je sais pas si c'est la pièce ici dans laquelle on est. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre par la fenêtre là, donc j'ai mis 2 grosses lumières là. Je vais vous le montrer dans quelques instants, vous allez capoter. Et il y a une page Instagram qui s'appelle Juste une plante de plus. 2 filles extraordinaires qui s'appellent Jess et Marie. Je vais vous faire popper l'Instagram là sur l'arbre, sur mon arbre, qui m'aide avec mon bonsaï depuis déjà quelques semaines pour essayer de le nipper, de pas le perdre. Apparemment, de ce qu'ils me disent, c'est que ces bonsaïs-là, ça peut quasiment renaître de ses cendres. Fait que même s'il est presque mort, tant qu'il y a de la vie dedans, tu peux le transplanter, tu peux faire des boutures, tu peux le repartir en eux. Donc, j'ai un appel avec une des girls de Juste une plante de plus pour faire une transplantation. J'ai tout mon stock ici, je me suis acheté du terreau. Un nouveau plat, genre un nouveau bol à bonsaï. Ça, c'est le bonsaï à quoi il ressemble présentement. C'est vraiment là, tu sais, il y a encore du verre, il y a encore de la vie dedans, mais ouf, c'est pas fort, c'est pas fort. Je vais vous faire pop une photo ici de quand je l'ai reçu. J'ai pas beaucoup de photos, mais il était pas mal plus fourni que ça. Donc, c'est la transplantation à cœur ouvert. On l'appelle Junior, ce bonsaï-là. Le premier s'appelle Laurel Sand. J'espère que ça va le sauver, que ça va y redonner de l'énergie, que ça va le revigorer parce que je veux pas le perdre. Puis je me suis même rendu compte que ça m'affectait beaucoup dans ma vie personnelle, en ce sens que c'est comme si je mettais nouvelle année, nouveau départ, tout ça. Je mets comme tout ça dans un arbre d'une certaine façon. Et si l'arbre va pas bien, mon nouveau départ, ma nouvelle année ne va pas bien non plus. Donc, faut que je sois capable de me détacher un petit peu. Mais en même temps, j'ai beaucoup de misère parce que ce bonsaï-là représente beaucoup pour moi. Surtout que c'est un cadeau de mes parents et tout. Donc, traitement à choc aujourd'hui. On essaye de régler ce bonsaï-là. Bienvenue sur Jean-Chaîne. Merci d'être là. On approche les 3000 abonnés, donc merci à tous. On rentre en appel avec Jess. On est là. La terre, c'est la bonne terre, ça? Oui. Fait que là, je commence par... Pogne-le par le gros tronc. Ah! Je vais se le lever délicatement. Il est attaché en dessous par une robe de métal ou il est pas attaché? Attends, ça sort, là? Ça sort en mode. C'est ce qu'on veut que ça sort en mode. Ça a sorti! Là, j'enlève toute la terre. Ben, j'essaie d'en enlever le plus possible. C'est comme les petits cailloux qui allaient ensemble, tu peux les remettre dans le nouveau pot. Mais essaie de pas trop boucher les trous. C'est juste pour que l'eau, elle draine bien. C'est tout pogné en pain. Je suis en train de pas mal l'avoir, là. De... Mais je te dis, c'est pas grave s'il en tombe un peu. Ça va juste l'encourager à bien se propager dans son nouveau pot. C'est pas mal ça, là. Tiens, je l'ai tout dégarni, là. Hey, c'est genre une racine seulement. Colin, ok, la belle surprise. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, mais il y en a juste moins que je pensais. Fait que ça va être un peu touché d'un gros tir de peau. Mais tu veux-tu me montrer l'espace des racines dans son ancien pot? Okay. Juste voir de quoi ça a l'air. C'est que dans ce pot-là, la façon qu'il était placé, c'est qu'il y avait beaucoup de terre en dessous, puis... La grosse racine qu'on voit là, en rond, là, et je la voyais moi sortir du top. Tu comprends? Fait que c'était comme s'il était placé comme ça.
puis il était pas dans le fond. J'ai l'impression que la racine était pas capable d'aller chercher son juice, son eau dans le fond. Je pense qu'on va le remettre dans son... C'est clair que t'as acheté des pots pour rien, là, mais je pense qu'on va le remettre dans son ancien pot, mais avec la nouvelle terre, puis on va le mettre plus creux, là. Là, je mets un fond de terre là-dedans? Ouais, c'est ça. Tu vas mettre un petit fond. OK, c'est en masse, ça. Je l'ai assez mis. Il y en a partout dans le fond, ouais. Il y en a partout dans le fond. Tu peux le centrer où tu veux, là. Si tu veux qu'il soit vraiment centré sur le centre, sinon tu peux le mettre ses extrémités. Ils sont fous tant qu'il y a de l'eau. Hein. Là, c'est assez profond, exemple. Là, de la racine, est-ce vraiment dans le fond? Ou... Ben, la racine est pas mal dans le fond, ouais. Là, elle est beaucoup plus creuse qu'elle l'était avant qu'on fasse l'opération à cœur ouvert, là. Petit loup d'amour. On va te sauver, mon bébé. On va te sauver. Là, elle là, est un peu mollesse, là. Ça doit être normal. Ben, tu peux... un petit peu dessus, là, si tu veux qu'elle soit un petit peu plus compacte. Fait que je mets mon eau de neige, pour pire aller, je mettrai de l'eau trop après, un mix d'eau, là, s'il y en a pas assez. Non, je pense qu'il va en avoir assez. OK. Puis là, si l'eau elle sort par en dessous, ça veut dire que c'est parfait, là. Ça veut dire que là, tes racines, y en ont eu de l'eau. Ah, oh, il y a assez d'eau là-dedans, 100%, là. Ça coule en dessous, là. Quand même faire une pression avec tes doigts. La terre juste pour le dessus. Puis ce que je ferais avec toi, c'est, vu qu'il serait en masse de terre, c'est de venir placer le sec par-dessus, juste pour remonter au niveau que tu veux qu'elle soit ici. Elle a beaucoup calé. Je vais la remonter comme au niveau du top du pot, là. Ouais. Ben, comme elle était avant, mais sans les décorations, là. Là, tu peux le laisser s'égoutter. Il est plus stable que tantôt. Ouais, là, il est plus. Ben, il bouge encore un peu, mais tu sais, il s'est stabilisé, là. Tu sais qu'il faut pas trop l'arroser. Elle préfère la sécheresse. C'est ça. Mais là, clairement, elle avait soif, là. C'était le temps, là. OK. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'envoyer le truc que je peux accrocher au plafond. Je pense que c'est ça que je vais y aller pour ça. Comme ça, tu sais, un genre de halo qui fait le tour on top pour la... Tu sais, pour qu'elle soit toute bien éclairée, qu'il n'y ait pas de spot mal ou whatever. Mais en tout cas, ça te permet de voir de quoi qu'elle a l'air en dessous. Puis, faut pas que t'aies peur, là. Même si je te dis que c'est 2-3 ans, si ta plante a dépéri, la première affaire que tu fais... Check les racines. C'est les racines qui sont ses veines, dans le fond. C'est ouais. Ce qui fait qu'elle garde en vie. Fait que quand t'as une hésitation, tu sors. C'est mieux le choc de sortie que de laisser tout ça pourrir ou vraiment mourir, dans le fond. Là, d'accord. C'est ce qu'on veut, là. Attends, dis-lui que tu l'aimes, là, puis elle va te... I love you, Junior. Ça va bien aller, mon homme. OK. Mon petit cœur d'amour. Ça va super bien aller. Je te le promets. Est-ce qu'il te sort des nouvelles pousses? Pas. Ou... Plus là, là. Là, ben c'est ça. Laisse-y le temps. Regarde l'état des bébés, puis le reste, c'est le temps. Bon, ben, merci beaucoup. Moi, faut que j'y aille dans pas long. J'ai rendez-vous dans. Ouais, faut que je parte dans 15 minutes. Yes. Fait que je la réinstalle. Envoie-moi le truc du plafond. Je vais essayer de m'acheter ça. Les aussi. Ouais, puis le. Comment? Tu vas t'envoyer la charte des lumières aussi. Okay. La description simple des couleurs, là, je vais t'envoyer ça. Oh, t'es trop hot. Ben merci beaucoup, puis écoute, je te réécris aussitôt que si j'ai quelque chose, je te réécris là, mais je pense que ça va être correct, là. Je vais la laisser vivre, puis elle va se refaire. Merci, bonne journée! Bye! Hey, salut, c'est Jean du 31 janvier, on a fait ça le 26, ça fait 5-6 jours. Je vais vous montrer l'update de tout ça. Premièrement, j'ai ma lumière du plafond. J'ai la light qui part de là et qui a vraiment un spectre complet. Racine, toute la patente. Donc, ça fait même pas une semaine que je l'ai planté, que je l'ai transporté. Fait qu'il a pas encore repris ses racines. Fait que tu sais, c'est normal que ça prenne un certain temps. C'est un gros choc. Mais, bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une bouture. Donc, j'ai pris une pousse qui était belle, qui était verte. Et je l'ai mise là-dedans. Donc, j'ai une petite bouture comme ça. Le truc, c'est que j'ai un petit peu trop mouillé la terre de ma bouture. Fait qu'avant de l'enfermer dans son sac Ziploc, comme ça, c'est comme si elle était dans une serre fermée pour qu'elle puisse se créer les racines, la bouture. Je vais attendre quelques jours qu'elle sèche un peu. Elle va vivre dans son propre micro-écosystème. Et je me redécolle un deuxième bonsaï au cas où que Junior meurt. Donc voilà, Nala est là. By the way, Nala, t'es donc bien pouchonne, toi. Tu fais ta princesse ou quoi? Ah voilà, je vais vous refaire popper le truc de subscribe, c'est juste trop légendaire. On arrive 3000 là. C'est, je pense qu'il en manque pas plus que 90. T'es là, toi? Tu vois, la lumière vient de fermer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ça.
Et on se retrouve sur Jean-Chaîne ou sur James Daily Motion dans les plus brefs délais. On charbonne, c'est sans cesse. Bye Nala, dis bye. Nalouche. Oh wow.